Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo à nouveau au parc. Donc je commence vraiment à y prendre goût apparemment. Peut-être pas mon chéri, mais moi oui. Donc je voulais vous présenter des stickers de la marque c'estquepournous.com. Donc en fait ils font des stickers comme ça, comme cela. En fait je les ai pas encore testés, mais ça ne saurait tarder. Donc j'ai d'autres motifs, mais je les ai pas amenés. Et ils font également donc des stickers intégraux, comme un peu les Minx ou les nail decal intégral. Je vais vous expliquer comment ça marche. Donc il y a deux types, il y a les types un peu vernis à ongles. Donc là vous avez des teintes brillantes. Moi j'ai utilisé la teinte dorée dans cette déco. Et ils font aussi voilà, des couleurs comme ça laquées et des stickers cette fois-ci qui sont décorés. Donc quand on ne sait pas faire de nail art, ça peut être vraiment sympa quand on débute. Pour avoir deux ongles sympas en peu de temps. Donc je vais vous présenter en fait comment ça marche. Donc en fait vous avez plusieurs tailles. Moi je dois vous avouer que j'ai eu un peu du mal à les poser au départ. J'ai dû gâcher 5 demi en fait. En fait comme ils sont un peu longs, si vous avez la forme d'ongle, vraiment si vous avez une longueur qui n'atteint pas la moitié, vous pouvez absolument les couper en deux et vous servir de la moitié, comme ça vous en fait deux fois plus. Moi j'ai les ongles assez étroits comme vous voyez là. Et donc en fait j'ai eu du mal à trouver ma forme, et puis aussi la forme à ce niveau-là ne convenait pas, donc j'ai dû découper, mais ça c'est comme avec tous les motifs qui se collent comme ça sur les ongles, il faut passer par une étape de découpe. Donc voilà. Donc en fait ça marche comment? On met une base ou pas, enfin c'est vraiment comme vous voulez. Et ensuite après vous allez venir décoller le patch que vous aurez préalablement coupé en deux, hein, scindé en deux. Et vous allez simplement le coller en fait avec une pince sur Tarte aux fraises, a fait une super vidéo, vous pouvez aller la voir. Vous le collez sur l'ongle et après vous mettez faut bien l'appuyer et le mettre vers le bas en fait. Et après vous limez, enfin moi j'ai limé comme ça en fait, et donc après ça a tenu en fait. Donc voilà, ça marche un peu comme les water decal intégraux, sauf qu'il n'y a pas d'eau. C'est vraiment, ça se colle directement. La colle est super puissante. Donc il faut faire attention à ne pas le décoller rapidement. Même si vous avez raté, il faut l'enlever tout doucement, sinon vous allez vous retirer de la plaque de l'ongle et ça ne va vraiment pas être joli. Et sinon dans la notice, donc il y a une notice derrière, ils disent qu'il faut laisser tremper les ongles quand vous voulez les retirer pendant 20 minutes à l'eau tiède. Moi j'ai pas la patience. Donc en fait j'ai pris de l'acétone pur, un coton, j'ai fait pouf pouf et c'est parti. Donc voilà, ça part nickel à l'acétone pur. Si vous avez peur des 20 minutes d'eau tiède, à l'acétone ça part nickel. Donc voilà, c'était tout pour ces patchs. Donc je vais vous en faire gagner. Je pense que je vous ferai gagner un rose comme cela et un décoré. Donc voilà, je vais trouver une idée et puis tout sera expliqué sur mon blog. Je vous dis à très bientôt.